s'est encore perçu dans la cage d'escalier. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, enfin je ne crois pas, mais tu paraissais tellement absorbé par votre baiser hollywoodien. Tu sais, le genre de baiser qui dure si longtemps qu'on ne sait plus à la fin si c'est un baiser ou un cours de réanimation. Et bien lorsque je suis arrivé hier, le bouche à bouche, ça y est. D'ailleurs, je me suis même dit que vous deviez vous entraîner pour essayer d'entrer dans le livre des records. Ah ben tu sais quoi, le record, il attendra. Et comme on dit, a perdu, il se retrouve. Ah ben, ça promet de beaux embouteillages dans l'escalier, hein. Quand je te dis 10, c'est pas les 10 en même temps, mais que tu peux me mêler en rien à la fin. Ben j'espère bien. Voilà.
Jean-Michel, cela ne l'autorise pas à les draguer sur Internet comme une midinette.
Dis ce que tu veux. Il n'y a que des traqués qui utilisent ce genre de procédé. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais de vieux jeu? Qu'est-ce que t'es du 19e siècle? Waouh! Oh, Marion, tu ferais mieux de faire profil bas. C'est quand même toi qui l'as initié. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, ma pauvre fille? Du mou de veau? Je te permets pas, hein. T'as pas à faire ta crise d'hystérie sur mon dos, hein. Oh, hystérique, Marion, t'arrêtes, hein, mais je suis ta mère quand même. Papa! Papa! Dis-lui quelque chose quand même! Il faut pas attendre de chauffer la bouloir, là! Parce qu'il n'y a pas quelqu'un une journée mouvante! Moi aussi, j'aimerais m'être énervée! Voyons, les filles, voyons! Calmez-vous! Nicole, je t'en supplie! Nicole, 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 quoi, Nicole? C'est son livre. Ta fille, vous la maquerez avec sa grand-mère! Et toi, tu trouves ça normal? Mais vas-y, encourage-les, mon petit-gué! Moi, non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Bien aimable. Gaston, je vous présente ma fille Nicole.
Mais votre mère m'a tellement parlé de vous. Enchantée de faire votre connaissance. Sachez que ce n'est pas réciproque, monsieur. Dois-je percevoir une légère animosité à mon égard? Percevez. Oui, on rigole. Vos désirs sont des ordres, madame. Et vous, vos désirs font des ordres, monsieur. Pardon. Et en plus, il est sourd. J'ai dit, vos désirs font des ordres, monsieur. Non, mais a-t-on eu idée de pouvoir ainsi séduire des personnes âgées? Des personnes âgées, dites-vous, mais de qui parlez-vous? Personnellement, je ne vois pas de personnes âgées. Non. Je ne vois que des germes d'amour à peine éclos. Je ne vois que des jeunes pousses et des tendres semis. Je ne vois que la jeunesse du cœur et la fraîcheur du désir. Mais où donc voyez-vous les personnes âgées? Et en plus, ils se moquent de moi. Monsieur, maintenant, ça suffit. Restons-en là. Loin de moi l'idée de vouloir vous offenser, madame, si j'ai pu vous le faire. Nous avons l'intention de faire une petite fête pour officialiser notre rencontre. Ah, nous ne voulons pas faire de grand tralala, hein. Donc, juste un petit repas, en fait. En toute simplicité. Maman, je n'ai envie de recevoir personne, moi. Mais ne t'inquiète pas, on en reparlera. Mais c'est génial! Mais qu'est-ce qu'on va s'éclater! Aïe, papa! Ouais, ben ça là aussi, elle s'est éclatée. Nicole, tu devrais faire du yoga, hein. C'est bénéfique pour les nerfs. C'est pas grave, ma petite chérie, c'est tout. Au fait, j'ai oublié de vous dire, puisque l'appartement est grand, j'ai pensé que vous pourriez héberger la famille de Gaston. On ne va quand même pas les laisser aller à l'hôtel. Et puis, ce serait tellement plus sympathique si on pouvait rester tous ensemble. Non, là, c'est vrai qu'il y a ça. Ah, au cas où tu ne manifesterais pas un enthousiasme effréné, je te rappelle que l'appartement est encore à mon nom. D'accord? Allez, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Qu'en pensez-vous, très cher? Sergent, me dit un rapport, colonel. Je viens d'effectuer mes connaissances. D'après ce que j'ai vu, le temps aérien me semble particulièrement miné. Mais dites donc, sergent Mulligan, l'ennemi vous paraît-il redoutable? Si vous voulez mon avis, nous devrions pour l'heure battre en retraite. Battre en retraite? Ne trouvez-vous pas cette expression curieuse, sergent? Affirmatif, colonel. Ah, ça ne donne vraiment pas envie d'être retraité. Eh bien, s'il le faut, battons en retraite. Vous êtes prêts? Oui, colonel. Nous allons tenter une sortie. Bon, maintenant, il faut qu'on parle. Un jour, mon prince viendra. Il me reconnaîtra. Jean-Michel! Oui, ma chérie. Fais-moi penser à acheter du cirage. Je crois que j'en ai besoin.